La loi biodiversité de 2016 qui a interdit les pesticides tueurs d'abeilles, ça vous dit quelque chose? Et les décisions de justice qui condamnent l'État à agir pour le climat. Ou les 50% de produits durables à servir dans les cantines. Ce sont des victoires obtenues grâce au travail du plaidoyer de la Fondation et grâce à votre soutien. Cet entre-deux-tours de l'élection présidentielle est l'occasion de vous expliquer pourquoi et comment des ONG comme la nôtre sont amenées à faire de la politique au premier sens du terme, celle qui pousse à s'engager dans la vie de la cité. Le plaidoyer à la FNH remonte à la campagne présidentielle de 2007. Nous présentons alors un pacte écologique aux candidats avec la volonté de faire comprendre aux décideurs qu'il est indispensable de faire rentrer l'écologie au cœur de toutes les politiques publiques. Naîtra de cet événement marquant le Grenelle de l'environnement qui ouvre pour la première fois les portes des ministères à notre fondation et à toutes les autres organisations de la société civile. À partir de ce moment-là, nous allons au contact des députés, des sénateurs, du gouvernement et des acteurs économiques. Notre mission consiste à convaincre de l'urgence des enjeux et à faire des propositions en faveur d'un monde durable qui ne laisse personne de côté. Nous avons une équipe d'experts, spécialistes des questions d'agriculture, de transport, d'énergie, de commerce international, mais aussi de biodiversité ou de climat. Sur chacun de ces thèmes, nous identifions des points de bascule à même d'accélérer la transition écologique et sociale. Et avec d'autres ONG, des syndicats ou des acteurs économiques, nous construisons des propositions étayées, chiffrées, que nous présentons à la presse pour les mettre dans le débat public. Nous les défendons auprès des décideurs pour les pousser à l'agenda législatif. Notre travail est essentiel. Mal connu, mais essentiel. Ces derniers mois, nous nous sommes concentrés sur le financement des pesticides pour démontrer que l'argent public est mal utilisé. Nous avons rédigé une proposition de règlement européen pour mettre fin à la concurrence déloyale qui nuit à notre agriculture, à notre environnement et à notre santé. Grâce à nous, ce sujet est à l'ordre du jour de la présidence française de l'Union européenne. Nous avons démontré comment concilier emploi et climat dans le secteur automobile. Convaincre n'est pas simple, mais nous avons des victoires à célébrer. La victoire historique de l'affaire du siècle, qui condamne l'État à agir pour le climat. Le vote contre les pesticides néonicotinoïdes en 2016. L'introduction d'objectifs bio et durables pour la restauration collective. Ou encore la mise à l'agenda politique des accords de commerce, comme le CETA. Ces victoires doivent être suivies de beaucoup d'autres. Et votre générosité est indispensable pour nous permettre de contribuer à faire évoluer les politiques publiques pour vivre mieux dans un environnement sain. Tout simplement. Au nom de toutes les équipes de la Fondation pour la Nature et l'Homme, je vous dis un grand merci pour votre soutien et votre générosité.